Bonjour tout le monde! Comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau live. Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau live créatif. Bienvenue tout le monde, n'hésitez pas à me faire signe pour me confirmer que vous êtes bien là et que je puisse voir si les commentaires fonctionnent. Oui, ça y est! Super, coucou Héloïse, coucou Sandrine, bonjour Viviane, hello ma Fabienne, bienvenue tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Ah Gaëlle, chouette, t'es là, bonjour Crapouillot, bonjour Camille. Oh là 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 là, je vois que tout le monde arrive, c'est super, coucou Maroutine, coucou Cécilia, bonjour Sandrine. Génial, tout le monde arrive, c'est super. Super. Bonjour Nathalie, coucou Isa. Super, super. Bon, je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui, chaque semaine, pour ce nouveau live créatif. On se retrouve donc sur la page Harmony Scrap. Oui, Crapouillot est là aujourd'hui. Ça va être quelque chose. Je retrouve toutes les chippies. Crapouillot, ça va être chaud. Bienvenue tout le monde. J'imagine qu'il y en a parmi vous qui nous rejoignent pour la première fois. Je vous souhaite d'abord bienvenue. Coucou Evelyne! Et puis, n'hésitez pas à vous manifester, à me faire un petit coucou pour me dire, voilà, que c'est la première fois que vous nous rejoignez. J'espère que vous passerez un bon moment et que ça sera agréable pour vous. Coucou Laurence! Deux fois dans la journée. Et oui, c'est ça, puisqu'il y en a parmi vous que je retrouverai ce soir pour la semaine créative. En Zoom cette fois. Bonjour Virginie. Bonjour, bonjour. Coucou Tonton. J'adore ces rendez-vous parce qu'en fait, voilà, je vois qu'il y a beaucoup de monde. Il y a des gens qui sont chers à mon cœur. Il y a même mon tonton qui passe comme ça. Bonjour Catherine. Coucou Dominique. Je suis trop contente. Merci Tonton. Je suis sûre que ça va bien se passer. En plus, j'ai une fine équipe aujourd'hui qui est présente, alors ça va être quelque chose. Oui, j'avais compris, ma biche, t'inquiète pas. Bienvenue, bienvenue. Bonjour Christelle. Alors, bonjour, comment allez-vous? Dites-moi tout. Bon, il fait un petit peu moins beau aujourd'hui, hein, mais bon, respirez un petit peu. On a eu un avant-goût de l'été pendant 2 jours. Coucou Cali. Oui. Mais non, elle n'est pas mauvaise. Ils sont taquins, je vous jure. Hein. C'est quelque chose à chaque fois. Hein. Deux fois crapouillon, on ne va pas s'en remettre. Mais si, vous allez voir. Ça va le faire. Tout va bien se passer. Bon, alors ben, vous le savez, hein, les liquidations ont commencé hier. C'était un petit peu laborieux pour certains et certaines. Mais on a fini par réussir à passer vos commandes. N'hésitez pas, c'est toujours le cas, il y a toujours plein de produits dispo à moins 50, jusqu'à moins 50% de réduction sur le mini catalogue. Donc c'est vraiment le moment d'en profiter pour vous faire plaisir avant que ça ne disparaisse. Et puis vous le savez également, coucou Laurence, vous le savez également, on a toute une nouvelle gamme de kits qui est juste magnifique. Je les adore, j'ai pas pu résister, je les ai tous commandés. Chut, faut pas le dire. Et du coup, pour fêter ça, j'ai eu envie de vous proposer un truc un petit peu différent. Donc, je vous propose de me retrouver en Zoom le 17 juin autour d'un apéro. Donc, voilà, chacun se prépare son petit apéro tranquille. Et puis, on en profite en fait pour découvrir le kit que vous avez commandé sur ma boutique en ligne. Oui, aussi, nous aussi, Kali. Alors, je voulais. Voilà. On se retrouve, voilà, on passe un petit moment ensemble, on prend l'apéro ensemble et puis on découvre les kits ensemble. Donc, vous allez sur ma boutique, vous allez dans l'onglet Produits, vous descendez à Collection de kits. Et puis voilà, vous choisissez, je vous en mets quelques-uns à l'écran. Vous allez voir, ils sont juste trop beaux. Certains kits sont avec tampons, donc ils sont à 23 euros. Vous avez tout, hein. Vous avez
Les tampons, de quoi faire les cartes, vous avez un pad d'encre, des décos, enfin vraiment vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser des cartes ou des petites boîtes oreillers, vous verrez, avec des kangourous qui sont trop beaux, je les adore. Donc voilà, vraiment des kits extra, et puis les tampons, non, les kits sans tampons, eux sont à 14,50 €. Donc n'hésitez pas à aller sur la boutique, vous utilisez aussi le code hôtesse, et puis bah, vous m'envoyez un petit mail à harmoniescrap@harmoniescrap.fr. J'ai failli dire préféré parce que j'ai vu le message de Nathalie en même temps. Mon préféré, tu es mon phare, oui, je suis d'accord. Et du coup, .fr préféré, non. Du coup, vous avez là, hop, ici, vous avez mon adresse mail. Donc, une fois que vous avez passé votre commande, vous m'envoyez un petit message et vous me dites « Coucou Harmonie, je voudrais être au Zoom apéro. » Et du coup, je vous enverrai le lien pour vous connecter le 17 juin. Voilà. Tenue correcte exigée. Non, les pyjamas sont acceptés. Les coquins. Voilà, j'espère que cette idée vous plaît. Un petit moment sympa. Alors, les kits, hein, ils sont extra pour tout le monde, que ce soit les passionnés, pour plein de matériel partout comme moi, et qui ont un espace dédié, mais également pour les débutants ou les débutantes qui démarrent, qui ne savent pas trop quoi utiliser, quoi acheter, etc. Là, du coup, vous avez absolument tout sous la main pour démarrer et pour utiliser, pour créer de belles cartes. Et puis sinon, comment dire... Et bien pour ceux aussi qui n'ont pas beaucoup d'espace de stockage par exemple, ça c'est top, vous avez tout dans une petite boîte, c'est vraiment nickel. Voilà, je vous ai tout dit, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite carte interactive, donc en fait qui s'ouvre, elle est très simple à réaliser. J'ai travaillé une collection que j'aime beaucoup, qu'on n'a pas beaucoup vu encore, qui s'appelle Symétrique. Qui a de belles couleurs, de beaux motifs, et je raffole en fait des sets de tampons de cette collection parce que les tamponnages sont juste parfaits, ça donne un super rendu et j'aime vraiment beaucoup. Bonjour Catherine, coucou Lulu, bonjour Laurence, salut Virginie. Je vois que tout le monde est en forme, je vois que ça y va, il n'y a pas de problème. Ça va être sympa. J'ai intérêt à me concentrer parce que je sens que ça va être encore compliqué pour moi avec tous les commentaires. Coucou Nati, comment tu vas? Alors, hop, on bascule et je vous fais découvrir donc la carte et on y va pour la création. Donc cette carte interactive, vous voyez, j'ai dit interactive, j'avais un petit peu de mal à trouver un nom à cette carte. Elle s'ouvre donc comme ceci, voilà, elle est ouverte ici. Une ouverture ici, comme ça on met bien en avant le papier design. Un superbe message ici, je vais vous montrer le set de tampons que j'ai utilisé, qui est juste génial aussi. Elle s'ouvre également de l'autre côté, donc voilà, on voit vraiment bien le papier design, je trouve ça trop super. Il est juste là pour faire le bazar. Bah oui, puisqu'il a déjà fait la carte, le vilain. Voilà, hop. Et à l'arrière, alors vous ne voyez pas très bien là, je vais essayer de zoomer. Voilà, avec un osset de poinçon ici qui est juste super. Donc voilà ce que je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui. J'espère que... Non, il n'a même pas eu de cours particulier Fabienne. Il a fait comme ça en voyant la carte en fait. Sans tuto, sans mesure, sans rien du tout. Ah bah si, il avait juste les mesures de départ. Une pub pour un logo sport devant. Ah oui, pourquoi pas. Bonjour Marja, coucou ma Béa, comment tu vas ma belle? T'es prête pour le départ? Alors, je vous mets à l'écran, hop, les mesures. Si vous avez besoin, vous savez que ma Sandrine chérie est là pour vous répondre aujourd'hui. Et je suis très contente qu'elle soit là aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'elle m'a manqué aux deux lives précédents. Ah bon, il a eu un cours particulier? Avec qui il a eu un cours particulier? À l'intérieur? Ah oui, celui-là, Nati. Exact. Et non, non, c'est dans le set de tampons, en fait. Coucou, Cathy. Ben, si on te voit, tu nous écris, on voit très bien tes commentaires, ma belle. Bonjour, Daniel.
Donc vous avez les mesures up ici. Voilà. Donc, je vais les laisser s'il n'y a pas, si vous voyez bien sur le plan de travail, comme ça vous les avez sous la main. Vous le savez, si vous n'avez pas le temps de préparer vos papiers, ce n'est pas grave. Posez-vous, regardez tranquillement. Et puis à la fin du live, vous retrouverez donc le replay vidéo. Vous retrouverez la fiche technique avec tous les schémas, les mesures, etc. Ainsi que la liste des produits que j'ai utilisés pour réaliser la carte. Et tout ça, vous le retrouverez sur mon blog, comme d'habitude, à la fin du live. Ok? Ça marche? Donc pas de panique, on y va tranquille et on profite de passer un bon moment. Ok? Alors, c'est parti. Donc, oui, c'est bon, Cathy, t'inquiète, ma belle. Je vous fais découvrir la collection. Donc, jolie symétrie qui est trop belle. Moi, j'adore, en fait. J'adore ces couleurs. J'adore les motifs. J'ai lâchement abandonné en même temps. Ah oui, ton super cadeau de faire des mères, ça a dû compenser tout ce que tu. Le fait que tu t'absentes, c'est sûr et certain. Evelyne, je suis désolée pour le coup. Peut-être qu'il faut que vous vous déconnectiez, que vous vous reconnectiez. Parfois, ça bug un peu et c'est pour ça que ça. Après, quand vous revenez, ça marche un petit peu mieux. Bonjour Isabelle, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Donc, cette collection, voilà le papier design. Vous avez l'habitude maintenant pour celles et ceux qui me suivaient concernant la présentation. Pour les nouvelles personnes, je vous explique. Je présente ici donc les papiers, tous recto verso. Recto verso, recto verso, à chaque fois, ils fonctionnent par deux. Donc des superbes couleurs. On retrouve ici donc les papiers unis, les couleurs coordonnées. Coucou Chantal. Et coucou Jean-Luc, pardon. Beau bourdon, bleu nuit, corail calypso, flamant fougueux et juste jade. Voilà, c'est l'essentiel des couleurs unies qui sont coordonnées à cette collection. C'est trop beau! J'adore ces couleurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille encore avec cette collection parce que je l'aime vraiment beaucoup. Donc, du coup, je pars là dans une autre couleur. Ici, je suis partie donc sur flamant fougueux et juste jade. Aujourd'hui, la base de ma carte sera en beau bourdon. Je suis sincèrement désolée pour la connexion, je ne peux absolument rien faire. J'ai pas de solution en fait. Reconnectez-vous peut-être, mais moi de mon côté, je peux pas augmenter plus mon débit, donc du coup, par avance, je m'excuse pour ceux qui ont des bugs de connexion. Je ne peux rien faire. La totale, Sandrine. J'adore. Donc ma base de cartes. Attendez 2 secondes, je ne vous ai pas montré. Vous savez bien, il n'y a pas que les papiers. Il y a les sets de tampons. Alors, voilà ces super tampons qui sont dans cette collection. Donc on est sur des sentiments en français. Vous voyez, j'aime beaucoup la police d'écriture aussi. Voilà, tout est en français. Et donc j'ai fait les tamponnages, je les ai montés hein, les uns avec les autres, mais en fait ils sont tous séparés. Regardez, tu voyais les feuilles, les fleurs et tout, tout est séparé. Donc là, je vous ai fait la présentation avec les tamponnages montés. Voilà, plein de petites fleurs, de grandes fleurs, des feuillages, c'est vraiment trop joli. Donc voilà, vous avez tout ici avec cette collection Jolie Symétrie. Allez, cette fois, on commence la création de la carte. Hop, c'est parti. Alors, je vous disais, j'ai utilisé aujourd'hui la couleur Beau Bourdon, donc qui est coordonnée hein, à la collection. C'est une base de cartes toute simple, d'accord? Alors, ma routine, page 113, ma belle, pour la collection. Une base de cartes de 21 par 14, 20, 80, 14, 85. J'ai du mal, je parle trop vite, je vais me calmer. Ben, je sais pas, Fabienne. J'espère que ça ira mieux ce soir, ma belle. Merci, Evelyne. Bonjour, Karine. Donc, je vous rappelle, vous avez les mesures ici qui sont indiquées. Coucou, Rachel. Comment ça va? Donc, cette base de cartes, on vient tout simplement la plier en deux au centre sur le bord long. Donc, à 10 et demi. Hop, je me décale pour que vous voyez bien. Voilà.
Donc 10 et demi, tout simplement. Et on vient marquer, hop, le centre. Voilà. Là, nous avons notre base de cartes. OK? Ensuite, nous allons, vous avez vu sur la base, sur la première carte, hop, il y a un trou là. Bonjour Véronique. Alors, deux solutions. Si vous avez des poinçons, vous faites comme moi, vous utilisez donc un poinçon, d'accord? Voilà. Hop. Et on va venir couper avec notre machine de découpe. Si jamais ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas de poinçon, crapouillot, ça suffit. S'il te plaît. J'ai fait des cauchemars à cause de ça toute la nuit, alors ça suffit. S'il te plaît. Sois un petit peu bienveillant avec ta marraine, je te prie. Donc si vous n'avez pas de poinçon, il suffit simplement de dessiner donc un rectangle au centre de cette base de cartes, d'accord, et de venir la découper avec un cutter. OK? Pour vous montrer, pour vous aider à bien le centrer, je vais vous montrer le schéma. Hop, regardez. Alors, bougez pas, je vais peut-être décaler un peu les mesures. Voilà. Là, vous avez donc à l'écran votre base de cartes et vous avez de quoi les mesures pour savoir quelle est la distance pour centrer votre rectangle. OK? C'est bon pour vous? Donc 2,17. Oh oui, ma Cathy. Il va être fouetté, ouais, il n'y a pas de problème. Il va souffrir ce soir. Donc 1,5 cm à gauche et à droite et 2,17 en haut et en bas. Voilà, j'espère que ça aidera les personnes qui n'ont pas de poinçon. Quant au rectangle, il mesure, alors le mien est un peu festonné, donc il fait à peu près 7 et demi, hop, 7 et demi par 10 et demi à peu près. D'accord? Ça marche? Alors, j'enlève ce schéma, hop, et je vais venir prendre ma machine pour faire ma découpe. Donc ici, j'ai déjà fait mes marques. Donc à 2,17 en haut, 2,17 en bas, 1,5 à gauche, 1,5 à droite. Ils peuvent être un peu jolis et pas tout à fait rectangulaires. Mais bien sûr, ma belle. Bien sûr, bien sûr. Donc j'ai fait mes petites marques, comme ça je sais que, hop, mon cadre va être à peu près ici. Ça me permet de centrer. Je pense que j'ai fait 1,5 au lieu de faire 2,17 là. Oui, bon, c'est pas grave de toute façon. Alors, je prends ma machine et je viens faire ma découpe. Coucou Patricia, comment ça va? Oui, en replay, il n'y a pas de souci. On vient juste de commencer, hein, la création de la carte, j'entends. Alors, hop, je pose mes plaques. Je pose mon papier. Et je positionne donc mon rectangle. Super à quoi, Isa? C'est gentil, mais à quel sujet, ma belle? Alors, zouf, je positionne mon poinçon. Voilà. Et je le passe dans ma machine. C'est parti. Essayez de ne pas tout faire trembler. Ça a bougé. Je ne veux pas que ça bouge. Allez, hop. Voilà. Et c'est parti. Oui, ça va, Patricia, je te remercie. Bonjour, Nicole. Ouf, comment ça va? Et voilà, ça, c'est fait. Fermé. Donc on garde hein, le rectangle qui est coupé. Voilà. Et donc, ça y est, hop, nous avons
le centre de la carte qui est évidé. Ça, c'est OK. Je mets ça de côté. Voilà. Donc, vous voyez, je vous remonte la carte. Ça, c'est le rectangle évidé. Donc, celui-là, je le garde bien. Coucou Fabienne. Je vais remettre ça. Voilà, donc le papier uni, c'est bon. Donc, vous avez les autres mesures à l'écran. Donc, on garde bien ce rectangle qui viendra ici remplacer le flamant fougueux. Oui, Fabienne, bien sûr, il n'y a pas de souci. Vous le savez, il n'y a pas de problème. OK, alors, ensuite, nous allons nous occuper maintenant du papier design. Je vous l'ai dit, je garde la même collection, mais je change de couleur. J'ai pris ici donc un morceau de papier design qui fait 12,75 par 13,85. Je vous affiche le second schéma. Hop, voilà. Sur lequel nous allons donc, comme vous le voyez, venir faire deux plis. Hop. Deux plis. Donc ici, je positionne, hop, je positionne ici la mesure de 12,75, d'accord. Je viens faire un premier pli à 4,25, donc entre 2 et 3, hein, vous inquiétez pas. 4,25, donc on y va tranquille sur le papier design pour pas l'arracher, d'accord. Et la seconde mesure à 8,5. Voilà. Hop. Ça, c'est OK. En fait, on va ensuite venir simplement le plier en accordéon. D'accord. Vous voyez ici, ce papier, il est plié en accordéon. Tout simplement. Donc, je viens le plier tranquillement. Oups. J'ai tellement de matériel autour de moi que parfois ça se balade. Hop. Voilà. Donc ici, comme ceci. OK. Alors, vous voyez sur les mesures, il vous faut également un morceau de papier blanc, enfin deux exactement, de la même taille, qui mesure 14,35 par 4,75. OK, encore une fois, j'ai du mal à viser. Ici. Bonjour Chantal. Donc, ces deux morceaux de papier blanc viendront se mettre ici, hop, et ici. On laissera un petit peu d'écart entre les deux, hop, pour que ça fasse un petit peu plus joli. Voilà. Ensuite, le papier design viendra se coller sur ce papier blanc. Ça fait un petit peu de matage, hein, comme sur les autres cartes. Voilà, ça viendra se poser comme ceci. Je vise bien. Pourquoi tu... Pardon. Pourquoi tu me dis que je vise bien, Cali? Pour la météo? Ah non, alors là, une quiche. Mais en fait, ma vidéo est en miroir. Donc, mes gestes sont inversés par rapport à mon rendu d'écran sur mon PC. Donc, c'est compliqué. Alors. Hop, voilà, vous avez le principe. Ensuite, notre cadre viendra ici. Voilà, on le posera après pour venir comme ceci. Ah, je vise bien. OK, ça y est, j'ai compris, Cali. Excusez-moi, hein, tant que la connexion se fasse dans ma tête. Hop, ensuite, il vous faut également deux autres morceaux de papier blanc. Donc là, j'ai encore fait des cadres festonnés avec mes poinçons. Qui mesure 9,2 par 6,3 et vous en faut 2. Et je vous ai dit que je vous montrerai
le set de tampons avec ce sentiment. C'est juste trop beau. J'adore. Vous avez vu? C'est gros, ça prend de la place. Voilà, c'est un super message. Moi, je le trouve magnifique. Vous voulez le voir maintenant? Allez, je vous montre. Ça s'appelle Souhait ensoleillé. Et voilà, il se présente comme ceci, avec des sentiments très gros, très jolis, très sympas, avec des magnifiques polices. J'adore. Vous avez vu, c'est beau, hein? Voilà, donc ce sentiment vient de ce set de tampons Souhait ensoleillé. Voilà, et la référence c'est 155 450, mais vous le retrouverez sur mon blog. Alors, on va continuer. Et donc, vous avez vu ici, je vais vous montrer la petite astuce. Vous voyez, les fleurs, tant que le zoom se fasse, sont tamponnées directement sur le papier uni. Et pour cela, en fait, j'utilise de la Versamark. Vous savez, l'encre transparente qui sert à embosser. Et bien là, je vais l'utiliser donc pour hop, décorer un petit peu l'avant de ma carte sans que ça prenne tout l'espace. Donc j'ai préparé mes deux tampons, je prends ma Versamark, je prends également hop, un brouillon avec mon Stampin' Pierce ici pour faciliter le tamponnage. Hop. Voilà. Et même que. Je vais faire comme ça. Voilà. Et je vais en prendre un second, juste pour ne pas déborder sur la partie arrière de ma carte. Voilà, tout simplement. Et donc, je trempe généreusement mon tampon dans la Versamark et je viens le déposer sur mon papier. C'est le beau bourdon, Cathy. J'efface mes petites marques ici. Et c'est parti. Et là, je viens simplement tamponner de façon aléatoire mon tamponnage. Et en fait, quand ça va sécher, eh bien, hop, ça deviendra un petit peu plus foncé. Et ça va donner un super rendu. Voilà. Un petit peu plus original que de laisser le papier uni, tout vide. Voilà. Voilà. Et je mets des petites fleurs, là, toutes petites. C'est toujours le lot symétrie, hein. Voilà, je continue à en disperser un petit peu partout. Alors, est-ce que vous connaissiez cette utilisation de la Versamark? Ah, Fabienne, tu connaissais pas du coup. Et Marotine non plus. Bon, les grands esprits se rencontrent. Ah bah, Émilie non plus. Bon bah, c'est génial. Je suis contente que vous ayez appris quelque chose aujourd'hui. Voilà. C'est un petit peu à ça que je sers aussi, hein. Pas de soucis, Marjack. À bientôt. Voilà, on en disperse un petit peu partout. Mais vous pouvez aussi le faire avec des sentiments, hein, par exemple. Rachel, tu connaissais aussi? Super. Là, j'utilise des fleurs, mais on peut le faire aussi avec des sentiments, avec des petits mots, par exemple. Ça peut être aussi très sympa. Et voilà, ça me paraît pas mal comme ça. Et du coup, on va pouvoir s'attaquer au montage de la carte. Viviane ne connaissait pas, Patricia non plus, génial. Ma mission du jour est accomplie, je suis ravie. Camille non plus, je faisais ton sur ton avec de l'encre de la même couleur. Oui, c'est tout à fait possible aussi. Et du coup, c'est un tout petit peu moins marqué quand on utilise la Versamark en fait. Voilà, donc c'est assez sympa. Hop, comme ça on sait que la Versamark ne sert pas uniquement à l'embossage à chaud. Voilà. Du coup, vous voyez, donc là on attend un petit peu que ça sèche quand même. Et voilà. Voilà le rendu. Bon, alors mon zoom a du mal à se faire. Et du coup, c'est le même principe
pour celle-là. Et du coup, c'est toujours... Non, non, ça colle pas. C'est toujours différent, puisque... Enfin, voilà, on n'a jamais deux fois la même carte. Donc ça, c'est sympa. Non, non, ça colle pas, c'est nickel. Tu vois, une fois que c'est sec, hein, il n'y a pas de souci. Je peux passer mes doigts dessus, il n'y a aucun problème. Non, non, ça colle pas du tout, je vous assure, les filles. Là, aucun souci. Oh, ça prend quelques secondes, hein, le temps de séchage, hein. On le voit en fait à la lumière. Là, déjà, c'est quasi sec, hein. À peu de choses près, c'est presque sec déjà. Donc ça va très très vite. Copieuse, elle fait. Hop. Alors, c'est parti. Maintenant, je viens coller donc mes morceaux de papier. Donc, le morceau de papier blanc ici sur la droite qui va me servir de matage à mon papier design. Voilà. Donc, ça sera le matage ici. Voilà. Le second, lui, se verra. Donc, j'ai fait un petit tamponnage dessus avec le flamant fougueux. Hop. Je viens coller à côté en laissant un petit espace entre les deux. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir venir coller mon papier design sur le papier blanc, celui que j'ai donc coupé et plié en accordéon. Voilà. Voilà, là, on est pas mal. Maintenant, je vérifie. Et bien voilà, c'est sec. Voilà, c'est déjà sec, donc vous voyez, ça va très rapide. Oh, Isabelle, chut, promis, on ne dira rien. Faut pas mettre le son trop fort, par contre, hein. Encore quoi, Cathy? Ah, oui, je sais, bah ouais, je sais. Ok, allez, je vais insister sur le pli de ma carte. Voilà, ça commence à prendre forme. Maintenant, je vais venir coller le petit cadre qui nous restait, qu'on a coupé de la carte. Pas de souci, Rachel, aucun problème, vous le savez, il y a le replay. Donc, voilà. Ça va venir comme ceci. Et pour être sûr de ne pas le coller n'importe où, donc déjà je vais le coller avec des dimensionales. Je vais laisser ma carte fermée et je vais venir disposer mes dimensionales sur la partie de papier design visible ici. Voilà, donc je les dispose un petit peu partout, comme ceci. Vous pouvez aussi le mettre, ne pas le mettre en relief et le mettre avec de la colle, hein, il n'y a pas de problème. Bonjour Dominique, comment ça va? Maintenant, je retire les petits bouts. Et je viens maintenant positionner mon cadre. On fait attention à ce que ce soit bien droit, que ça corresponde bien, pour ne pas être embêté à l'ouverture et à la fermeture de la carte. Voilà. Comme ça va pouvoir se faire nickel. Hop, vous voyez, hop, ça viendra comme ceci. Alors, vous savez, hein, c'est pas terminé, bien sûr, on avait nos cadres blancs, bien sûr. Alors, Evelyne, qu'est-ce que vous comprenez pas pour le papier design? Nous avons fait deux plis dessus. Un à 4,25 et un à 8,5. Nous l'avons plié en accordéon. Et ensuite, on est venu le coller sur le papier blanc ici. Comme ceci. Ensuite, j'ai fermé la carte. Avant de poser le cadre, j'ai déposé des dimensionnelles ici pour savoir où reposer ensuite le cadre qui était coupé, qui nous restait. Voilà, Evelyne, j'espère que ça vous aide. Hop. Donc maintenant, je vais simplement venir coller le premier cadre blanc qui faisait 9,2 par 6,3.
Donc j'ai déjà fait le tamponnage du sentiment. Alors ici, vous voyez quelle belle journée. En fait, il est en une ligne. C'est donc celui-ci, quelle belle journée. En fait, j'ai simplement d'abord tamponné les deux premiers mots et ensuite le troisième. Si c'est trop serré, vous pouvez prendre du masking tape, vous savez, le scotch repositionnable, et puis coller sur une partie donc, de votre tampon, d'abord cacher la journée. Voilà. Vous tamponnez quelle belle. Et ensuite, vous inversez, vous mettez votre masking tape sur les deux premiers mots déjà tamponnés pour pouvoir tamponner le dernier. Donc c'est ce que j'ai fait ici, puisque sinon ça débordait. Hop, donc ça va venir comme ceci. Il se prépare pour les coups de fouet. Bonjour Nathalie, comment ça va? Ici, j'ai retamponné la fleur que j'ai détourée au ciseau. Donc la première, je l'avais faite en flamme en fougueux, la deuxième en beau bourdon. Voilà. Donc il n'y a pas de poinçon, donc on s'amuse avec nos petits ciseaux à détourer. L'astuce pour détourer le mieux possible, ce ne sont pas vos ciseaux qui doivent tourner, mais en fait c'est votre papier que vous devez tourner et pas vos ciseaux. D'accord? C'est votre main, si vous êtes droitière comme moi, c'est votre papier qui doit tourner au fur et à mesure de la coupe. D'accord? Une petite astuce pour vous aider à détourer correctement, c'est pas forcément ce qu'on préfère, je suis d'accord. Voilà, donc ma fleur va venir ici, encore une fois avec des dimensionnales pour lui donner du relief. Ça va tout le monde? Ah ouais, alors quand les loulous veulent pas faire la sieste, c'est un peu galère et du coup ça décale le programme en général. Voilà. Donc je vais la coller ici. Voilà. Vas-y, le centrer. Voilà. Donc, tout de suite, ça donne une dimension super sympa. Je viens coller ce cadre blanc sur le beau bourdon. Comme ceci, tout simplement. Voilà, ça commence à prendre forme. Et donc, je retourne ici et je vais venir poser le deuxième cadre. Oui, ça sent la fin. Non, non, on ne me fait pas ralentir, soyez pas vilains tous là. Et donc, vous voyez, je vais venir le coller sur le papier design ici. Voilà, donc on vise à peu près, hein, on se rend compte de ce qu'on a, de l'espace que l'on a. Voilà, comme ça on a un petit message qui est caché à l'intérieur. Je trouve ça trop sympa. Hop, je viens le centrer. Merci Isabelle, c'est gentil. Voilà. Et puis alors avec ce sentiment-là qui prend tout l'espace, je trouve ça magnifique. Voilà, ça c'est ok. C'est aussi très sympa dans ces couleurs. Hop, le post-it c'est moins joli par contre. Et donc pour avoir quand même un petit peu plus d'espace pour écrire un petit message quand même à la personne à qui on va l'envoyer, parce que là, bon, faut pas avoir grand-chose à dire. Hein. Vous pouvez... Ah, j'adore. Excellent, Nati. Rajoutez un morceau de papier blanc à l'arrière qui mesure 14,3 par 10 cm pour le mettre ici à l'arrière. J'ai tamponné les petites feuilles qui font partie bien sûr du set de tampons Jolie Symétrie. Hop, et je viens le coller du coup. On a un petit espace supplémentaire pour écrire notre message à notre destinataire. Je suis contente que ça te plaise, Maroutine. Voilà.
Hop. Et puis la petite touche finale, je vous montre ça tout de suite. Ici, j'utilise une nouvelle gemme en époxy. Il y en a des argentées et des transparentes que je trouve trop belles. Donc là, je vais prendre les argentées, elles se voient un petit peu plus. Vous voyez, elles ont différentes formes. Alors, si je mets un peu plus près, voilà, vous les voyez mieux là. Vous avez vu comme elles sont belles? Je les adore. Elles sont vraiment superbes. Donc, ici, vous avez vu, j'en ai mis. Hop. Bougez pas, ça va zoomer peut-être? Oui. Voilà, j'en ai mis une au cœur de la fleur ici. Je trouve ça super beau. Ça change des rondes qu'on a l'habitude de voir. C'est un peu losange pour celle-ci. Dans l'autre sens, c'est mieux, oui. Voilà. Et je viens la mettre ici. Au centre. Je l'ai perdu. Au cœur de la fleur ici. Allez. Voilà. Pour redonner un petit peu de. Ah, super Gaëlle, merci. Ouf. Voilà, et puis du coup, je vais en rajouter une ou deux autres quand même. Là, je vais prendre les rondes cette fois. Là, je vais la mettre au cœur de la fleur que j'ai tamponnée à la Versamark. Voilà, une ici, puis pareil ici. Hop, et voilà. Voilà, voilà, ça y est, notre dernière carte, deuxième carte est faite. Merci Véronique, c'est gentil ça. Merci beaucoup. Voilà, vous voyez, c'est une carte qui n'est absolument pas compliquée à réaliser, qui ne nécessite finalement pas beaucoup de matériel. Et puis voilà, ça permet d'avoir une petite carte sympa et originale à offrir. Donc vous voyez, hop, si on l'ouvre, je vous la remontre, voilà, avec ce superbe sentiment, le papier design. Superbement mise en valeur, hop, voilà, on peut la faire tenir en passant le cadre comme ça, merci Sandrine, hop, voilà, la personne peut la poser, et voilà, comme ceci. Alors, est-ce que ça vous plaît? Vous avez aimé? Ah, Daniel aime beaucoup, Catherine ça lui plaît aussi, c'est top, Nicole aussi. Le papier bourdon, ouais, il est très sympa. Merci Cécilia. Donc voilà, avec un petit message caché à l'intérieur. Rien, je le ferai avec mes 15 cartes. Pas de soucis Viviane, bon courage. Ah zut Béatrice, bah, faudra regarder le replay ma belle. Voilà, super. Vous repasse ici. Bon, ben voilà, ça y est, le live est déjà terminé. Avec plaisir, Nathalie. Je suis contente que ça vous ait plu. Ben, j'ai hâte de voir la carte, du coup, que vous ferez quand vous les aurez reçues. Je ne sais pas si vous me voyez la connexion. Oui, Evelyne, je vous vois. Enfin, je vous lis, en tout cas. Et oui, c'est déjà la fin. Ben, en tout cas... Je suis très heureuse d'avoir passé tous ces moments avec vous. Chantal, je suis désolée pour les coupures. Oui, effectivement, si vous avez de l'orage, tout s'explique. De rien, Véronique. Merci, Chantal. Ma routine, oui, on se revoit ce soir, ma belle. J'ai été trop rapide. Oh ben non, 45 minutes, c'est bien quand même. Merci beaucoup à tous et à toutes de m'avoir suivi pour ce nouveau live créatif. Merci Catherine, c'est gentil. J'espère que vous avez passé un bon moment, que la carte vous a plu. N'hésitez pas, si vous la refaites, de la partager sur vos murs Facebook avec le hashtag HarmonyScrap. Ça me permet de pouvoir voir vos jolies créations. Isabelle, avec plaisir. Karine, vous la ferez ce soir aussi? Ben, c'est génial. Super, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous, donc ben, certains ce soir en Zoom. Pour les autres, je vous donne rendez-vous eh bien samedi par exemple pour
le moment où je vous dévoile le prochain live. Et puis sinon, vendredi, vous découvrirez la version numéro 3 de cette carte, où là, je suis partie carrément dans autre chose, vous verrez. Vous découvrirez ça vendredi. Pour celles et ceux qui n'ont pas eu le temps de voir le live ou qui l'ont pris en cours de route, ne vous inquiétez pas. D'ici quelques minutes, vous aurez accès au replay vidéo, à la fiche technique, à la liste des produits sur mon blog harmoniescraft.fr et sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu, ça me fera un grand grand plaisir. Merci à vous pour votre soutien, votre fidélité. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde !